Je m'appelle Philippe Delancier, je suis coordonnateur du Forum national des jeunes ambassadeurs. Je viens d'Edmonton, en Alberta. Essentiellement, la première journée du FNJ, c'est la journée d'accueil. Donc les jeunes viennent de partout à travers le pays, ils arrivent à l'aéroport, on fait des va-et-vient. C'est vraiment une journée très rochante pour l'équipe d'animation et l'équipe du Français pour l'avenir. Mais essentiellement, malgré tout ça, on veut que les jeunes se sentent bien et qu'ils se sentent bien accueillis dans la ville haute du FNJ. Je m'appelle Stephanie Bleu, je viens de Whitehorse, Yukon. Un professeur a présenté l'idée à nous de la FNJA. Puis j'ai toujours cherché comme des choses à explorer en français et bilingue, comme j'ai fait des échanges et tout ça, parce que le français c'est pas mon premier langue, c'est mon deuxième, mais ça t'amène loin dans la vie, puis il y a plein d'expériences. Puis je crois qu'avec une expérience comme ça, où c'est toutes sortes de gens autour du pays qui viennent ensemble avec le même goût et la même raison, et ce serait vraiment cool. Ben moi je suis John Richard Guimond, je viens de Clare-Nouvelle-Écosse. Et puis, c'est une région acadienne de la Nouvelle-Écosse, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, ce qui m'a marqué le plus aujourd'hui, je dirais, c'était vraiment juste. Ben, ça m'a vraiment inspiré à voir des jeunes partout du pays, tous réunis dans une affaire commune, puis ça, c'était la francophonie, right? C'est comme, je sais pas, c'est vraiment inspirant. Puis je pense que ça a été vraiment bien réussi aujourd'hui. Je pense que juste le fait qu'on est à Vancouver, qu'on est entouré de montagnes, on avait un accès facile à la plage, l'installation de l'auberge est vraiment incroyable. On est entouré d'arbres, de pelouses, on a pu faire beaucoup d'activités dehors. Vous allez vous asseoir, puis vous allez envoyer quelqu'un. 3, 2, 1. Je cherche. Bon, moi je m'appelle Éric Boivin, je viens d'Edmonton en Alberta. Aujourd'hui, ce que j'ai aimé, c'est les charades. J'ai vraiment aimé ça avec les petits morceaux de papier. Ça a vraiment donné une bonne opportunité de voir comment le monde réagit avec les autres. Parce qu'on est un groupe de jeunes qu'on vient juste de se rencontrer. Puis la coordination qu'on avait ensemble était vraiment incroyable. Moi, c'est Anastasia Vinokurtseva, puis je viens de Sarnia, Ontario. Je suis à FNJA parce que j'ai vraiment envie de rencontrer des gens qui sont motivés comme moi, qui sont bilingues comme moi. Parce que lorsque tu vis juste dans une ville, comme tu connais tous les gens, mais tu n'es pas toujours sur la même page, comme tu ne veux pas toujours les mêmes choses que les autres veulent. Mais ici, on a tous comme le même but, le même intérêt. Puis je trouve ça vraiment impressionnant qu'il y a comme vraiment des gens comme ça. L'objectif essentiellement, c'était que les ambassadeurs puissent apprendre à se connaître les uns les autres. Et puis c'est vraiment pour donner un bon coup pour le reste du forum, un bon coup d'envoi.